Norbert avait commencé en étant animateur de ciné-club. C'est un véritable amoureux du cinéma populaire, du cinéma bis. Il a travaillé pendant des années comme comptable. Ensuite, il a décidé de se reconvertir et de faire ce qu'il aimait. Donc, il a créé BD Ciné. Là, il y avait des bouquins, des revues, des centaines et des centaines de films. Et puis, il y avait aussi ses fanzines, le Monster Bis en l'occurrence. Le tout premier fanzine que j'ai acheté de ma vie, c'était des bibles. C'est un fanzine qui nous aura tous marqués, en tout cas les gens de ma génération qui étaient amateurs de cinéma bis. Un fanzine ambitieux, avec plein de sujets. Pour moi, un des meilleurs fanzines jamais créés. Norbert, son ambition, c'était de faire des films pour se faire plaisir. Il voulait refaire du cinéma de genre avec les moyens du bord. Les maquillages gore, c'était super, super simple. Pour les boyaux, tous les machins-là, on prenait des vrais déchets d'animaux, quoi. C'était vraiment écœurant. Retire-lui son arme. Norbert s'arrêtait à la première prise. Même si elle était pas bonne, elle était bonne. Il disait, non, ça va aller. De toute façon, on arrangera ça au montage. Après, on voyait le résultat, on faisait, ah oui. Boum, ça passe sur une image et il y a New York de nos jours. Je disais, mais quand même, Norbert, c'est la défense. Il avait peur de rien. Là. Ah bah, il y a Jurassic Park qui va se faire. Je vais faire un film de dinosaures avant. Non, ça fait les blairs. Même si c'est mal foutu, ça transpire la vraie passion de vouloir faire des films. T'as quand même de l'admiration et du respect pour ce bonhomme qui faisait ça avec zéro moyen. Mais mine de rien, il a fait vivre quelque chose.